Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la revue du Tasmanian Tiger Tac Pack 22. C'est un sac qui est en Cordura 700 deniers, qui fait 50 cm de haut sur 25 de large et sur une épaisseur de 15. Donc, en extérieur, alors déjà, je le définirais plus comme un sac, de rando, un sac léger de rando de 22 litres. On a moins l'aspect tactique que d'habitude qu'on peut retrouver sur les sacs Tasmanian. Il y a moins de place en molly, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, on a deux bretelles avec une fermeture pectorale. Vous avez ici du rembourrage pour le dos. Donc ça fait un peu le sac est un peu encheminé, mais je dirais inversé en fait. Il est plus évasé vers le haut que vers le bas. Vous avez une ceinture avec d'un côté trois bandes passant molly pour pouvoir rajouter des pochettes. De l'autre côté, vous avez une petite pochette filet mèche. Donc pas très grande, hein. C'est pour mettre une barre de céréales, voire un briquet, enfin des petits objets. Avec une bouclerie Fastex. Là, vous avez des petits élastiques pour rattraper la sangle. Vous avez un D-ring sur chaque bretelle. Donc vous voyez, il n'y a pas de passe en molly. Il y en a là, ici, un, on peut dire. Mais la ceinture pectorale est réglable. Vous avez une poignée ici qui est renforcée dans un espèce de caoutchouc, donc on a une bonne préhension, il n'y a pas de souci. En dessous, vous n'avez pas d'évacuation d'eau, il n'y a pas d'œillet d'évacuation et il n'y a pas de protection supplémentaire sur le dessous. Vous avez en façade deux rangées de passants molly. Donc là, je vous ai mis une pochette Laserman. Donc c'est type laser cut. Hein. Donc ça sera pour. Il n'y a que un passant. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une rangée quoi, de passants. Donc on pourra mettre éventuellement une pochette de chaque côté. Vous avez de chaque côté deux poches à souffler, mais. Disons que ça. Donc, déjà la matière, c'est plus ou moins une espèce de néoprène élastique. C'est pas du cordura, hein. Voilà, comme on peut le voir. Donc, si vous mettez la Finalgène, là c'est les gros formats, vous verrez d'ailleurs quand j'ouvrirai, mais on le retrouve à l'intérieur. La poche n'est pas soufflée entièrement pour la bouteille. Vous avez ensuite donc en façade une ouverture où ça s'élargit pareil avec une matière plus un tissu un peu plus fin où là on peut avec au bout une évacuation j'estime d'eau ou mais bon à voir. Donc je sais pas si c'est pour mettre une poche à eau ou autre, je pense pas trop, je penserais plus à pour pouvoir mettre des affaires, ranger des affaires, les cintrer et pouvoir serrer donc écharpe, gants, un sweat, il y a un sweat rentre sans problème. Vous avez ici donc de chaque côté, vous avez deux sangles de compression, enfin une sangle de compression, une de chaque côté. Ensuite, vous avez une première poche où là, c'est donc toute la hauteur, où là vous avez deux pochettes filet mèche.
Donc pour vous illustrer ce que j'ai ramené, oui, j'ai la micro de l'essai de chez Maxpedition. Donc en hauteur, ça rentre sans problème. Il y a de la place. Celle-là, celle du bas est plus grande que celle du haut. Voilà, elle est rangée. Donc c'est type filet mesh, donc vous pouvez voir ce qu'il y a. Ici, vous avez un petit crochet pour les clés. Donc ça, c'est pas mal aussi. Là, il n'y a pas de tirette. Hein. Je ne les ai pas enlevées, il n'y en a pas. Il n'y a pas de système de paracord de tirette. Donc ça, je pense que je les rajouterai par la suite parce que c'est un peu, ça fait un peu petit, quoi. Un peu léger. Je trouve à ce niveau-là. Vous avez ensuite la poche principale. La poche principale. Ici. Donc qui s'ouvre sur les trois quarts du sac. Il ne s'ouvre pas sur la totalité. Donc vous voyez là on retrouve la bosse en fait de la corne Nalgene. Donc, quand vous avez les deux. Ça empiète un peu sur la profondeur du sac, sachant que voilà, en plus il n'y a pas de système de rétention au niveau des bouteilles, donc ça a tendance un petit peu à glisser. On va voir dans le temps, là c'est juste une rosure, c'est pas un retour. Donc une poche principale qui est assez grande. Ici vous avez une poche soit pour hydratation, soit pour un ordinateur. Puisque ici vous avez le système pour pouvoir faire passer le tuyau qui ressort ici. Sachant qu'il n'y a pas de système d'accroche au niveau des bretelles. Donc le tuyau, après il faudra trouver un système pour le tenir. Voilà. Je pense que j'en ai fait le tour pour cette présentation. Donc c'est quand même un sac que moi j'ai acheté à CMS, sur le site CMS, pour 120 euros. Donc il y a plusieurs coloris, il y a le noir, il y a le olive. Donc le olive est sympa aussi. C'est un vert et il y a une partie orange sur le dessus. Je vous laisserai aller voir. Et il y a le Wolf Grey, je crois qu'il va bientôt sortir. Donc voilà. Donc à première vue, je vous ferai un retexte d'ici là. Ah oui, sachant que la ceinture ventrale est amovible. Il y a deux scratchs de chaque côté. Ça s'enlève, c'est la même chose de l'autre côté, donc on peut les changer, voire peut-être même les intervertir, à voir pour ajuster, mais ça s'enlève. Donc ça c'est pas mal parce que suivant l'utilisation qu'on veut en faire, je trouve que ça permet de moduler ça. Voilà, j'espère que cette revue vous plaira et n'hésitez pas à laisser un commentaire si besoin, si au cas où j'aurais oublié quelque chose ou si vous voulez des informations supplémentaires. Voilà, merci.